Allez, 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 allez
Saint-Mignon, champion numéro 11, Amine Goud. L'entrée du numéro 14, Anthony Panique. C'était un match qui était assez fermé sur le plan tactique. Je pense que c'est, si je devais résumer, c'est plutôt Troyes qui a la maîtrise du ballon et nous qui étions un petit peu plus dangereux devant le but parce qu'on a les meilleures opportunités. Ouais, je regrette un petit peu notre première mi-temps où je pense qu'on les a un petit peu trop respectés. C'était notre premier match en championnat contre une équipe de réserve pro, donc on avait peur de prendre un petit peu trop des vagues au niveau du jeu. Et puis à la mi-temps, on a un petit peu corrigé 2-3 choses tactiques et je pense qu'on rentre bien mieux dans la deuxième mi-temps. Je regrette ce but refusé là qui me paraît siffler beaucoup trop prématurément. Voilà, après c'est l'effet de jeu, hein, on pourra pas maîtriser malgré tout. Mais voilà, je pense que ce qui est important dans ces situations là, c'est quand on n'arrive pas à gagner un match, ne pas le perdre. Voilà, on prend pas de but ce soir, on n'est pas trop mis en danger, je pense qu'on concède pas trop d'occasions. Mon gardien a un arrêt à faire sur une frappe en deuxième mi-temps. Je pense que eux, on leur gardien a un peu plus de travail que le nôtre. Donc voilà, on va dire que le nul n'est pas illogique. Mais je pense que si la pièce avait dû tomber aujourd'hui, je pense qu'elle aurait peut-être pu tomber de notre côté. Voilà. Après, c'est comme ça. Faut savoir aussi des fois accepter de ne pas réussir à gagner les matchs quand on n'y arrive pas et se contenter du match nul. Voilà, donc je pense que c'était un bon 0-0 malgré tout. Nous, on continue à avancer, on continue à travailler. Il faut qu'on progresse encore un petit peu pour qu'on gagne ces matchs-là dans le futur.